Depuis Los Baños, Californie, agour. Ici Jean-Paul Barthes. La saison des pique-niques basques a bien commencé avec le 6 mai dernier, le pique-nique de Fresno. Aujourd'hui, je m'arrête à Los Baños, qui se situe à 2 heures de San Francisco, en direction de Los Angeles. Los Baños possède un lac artificiel, le San Luis Réservoir, pour irriguer les terrains bien secs de la San Joaquin Valley, qui sert à l'agriculture de la Californie. De nombreux Basques s'y sont installés aussi, avec l'élevage et l'agriculture. Et la progéniture continue à conserver les traditions. Pendant que les fidèles commencent à rejoindre l'abbé Lastiri pour la messe traditionnelle, la clique, elle, se prépare à faire son entrée. Après avoir pris quelques représentants qui pouvaient prier pour moi, je vais voir ce qui se passe en cuisine. En attendant la sortie de la messe, Manuela et Jean-Pierre Echechuri de Bakersville se préparent à animer musicalement la journée. En même temps, un magasin de souvenirs basques tenu par Christine et Jimmy Echeparé, attendent aussi les clients. Et cela va de soi, le bar où l'on fait les rencontres et où l'on peut s'exprimer différemment qu'à l'intérieur de l'église. En fait, aujourd'hui, les apéros interminables de l'époque se sont dramatiquement raccourcis. Et la ligne pour le repas se forme vite et les premiers servis s'empressent de s'asseoir. Après un copieux barbecue, les animations recommencent avec les danseurs de Los Baños et aussi les danseurs et la clique de San Francisco. L'Américain est très patriote et je pense que tous les Basques le sont aussi. Voici un extrait de l'hymne américain chanté par Sandra Bengochea et Guernica Cuarbola par Amador Sabal Bayascoa. Arbola da bedenkatua euskaldunen artean guztiz maitatua.
Et c'est ainsi que se termine le 53e pique-nique de Los Banos, avec un chapelet de danse. N'oubliez pas que nous sommes à des milliers de kilomètres du Pays Basque, et le folklore est un aliment très important pour la continuation de la culture basque. En ce qui me concerne, je reprends la route de San Francisco avec mes amis. Je vous dis donc à bientôt, j'espère. Issa Longhi et Taiko Chartio, Jean-Paul Barthes.